on doit soustraire 9,005 moins 3,6. Alors, pour une soustraction, le réflexe, hein, c'est comme pour l'addition. Euh, il faut commencer par réécrire l'opération euh, en alignant bien les virgules. Alors, je vais le faire. Donc, on a 9,005, 9 et 5 millièmes, moins 3,6, 3 et 6 dixièmes. Alors, voilà. Là, l'opération est bien posée, les, nombres, les chiffres sont bien alignés en colonne. Donc, euh, on va commencer par soustraire le plus petit, par euh, s'occuper du plus petit terme. Là, ici, c'est les millièmes, on a 5 millièmes ici. Et il ne faut rien lui enlever. Bon, alors au lieu de rien, on va, ne on va quand même pas laisser cet espace vide ici, on va compléter par des zéros. Parce qu'on sait que de toute façon, rajouter des zéros comme ça à la fin du chiffre, quand il y a une virgule, eh bien, ça ne change rien. Donc là, on peut euh, faire la soustraction, euh, comme une soustraction de nombre entier. Et puis après, on verra pour la virgule. Alors, 5 moins 0, ça fait 5. 0 moins 0, ça fait 0. 0 moins 6. Ah, alors 0 moins 6, on ne peut pas le faire, parce qu'on ne peut pas enlever 6 de 0. Donc il faut trouver une manière de mettre quelque chose ici, dans cette position-là, à la place du 0. Alors. Pour ça, ben, je vais prendre une unité à côté. Ici c'est 1. Euh, c'est la colonne des unités. d'ici, Donc ici je prends 1, c'est une unité. Donc si j'en prends 1, il en reste ici 8. Hein. Et cette unité, ben, je vais finalement, je vais... Comme je sais que 1 c'est égal à, à 10 dixièmes, eh ben, je vais prendre cette unité et je vais la co considérer comme des dixièmes. Je vais la mettre dans cette colonne des dixièmes. Et du coup, je vais me retrouver avec 10 dixième. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, je peux faire l'opération. 10 moins 6, ça fait 4. Et puis ici, 8 moins 3, ça fait 5. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à placer la virgule. Je la mets juste en dessous des deux autres. Voilà. Et j'ai la, la réponse. 5,405.